Que pourrez-vous prouver, madame? Qu'un hippopotame imposant n'est pas pour autant impotent? Et s'il est un peu empâté? Il n'est pas du tout empâté. Il suffit de le voir danser sur un tatami de hip-hop, ça fait bouger sur un apport de remuer le hippopotame presque plus léger qu'un pépin. Mis dans la pépine, il entame une bourrée au son des termes tapant, tranquille est l'hippopotame, et puis sans la moindre apathie, rien ne l'arrête, il est parti, enchaînant rumba et tango, ou bien yard au son du pépo, sans jamais prendre de repos. Le tapis pour épater la galerie. Le coup de tapis pour épater la galerie. Sur ce campon, il sera reçu à l'académie. Sur ce campon, il sera reçu à l'académie. Ah, vous ne me croyez pas? Tant pis. Un hippopotame assoupli en vaut pourtant deux. Assoupli. Bon. Alors, un hippopotame, un rhinocéros, une girafe, un zèbre, une gazelle. Il n'est pas utile que le crocodile se fasse de la bile pour manger des billes. Celui-là est végétarien. Non, l'Amérique du Sud est wikiti. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme singe d'Afrique? Oui. Et puis chimpanzé, bravo. Le singe est une famille, comme vous disiez, les hommes. Ça ne se dit pas qu'ils sont chinois, congolais ou allemands. Oui, alors le macaque, c'est bien, c'est seulement il vit, lui, en Asie. Dis ça, on verra peut-être tout à l'heure. Donc, mouton, pareil.